Seigneur, l'un des principes qui régit notre vie ici-bas est que nous devenons ce que nous entendons et proclamons régulièrement sur nos vies. C'est pourquoi je proclame la guérison de toute maladie qui s'élève dans la vie de mes bien-aimés. Seigneur, tu as dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que nous en mangerons le fruit, soit en bien, soit en mal. C'est pourquoi je veux proclamer la vie, la guérison, la santé et la restauration du corps que tu as créé dès son origine. Tu m'as mis à cœur de proclamer une série de prières sur toutes les maladies avec lesquelles nous pouvons être confrontés ici-bas à un moment ou l'autre de notre vie. C'est pourquoi je te demande de relever au travers les paroles de cette prière les cœurs attristés, les corps fatigués par la maladie et les esprits résignés à subir cette maladie sans jamais rien espérer de meilleur. Oui, Jésus-Christ, tu as payé le prix sur la croix pour toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Tu as versé ton sang précieux pour que les guérisons coulent dans les veines de tous ceux qui t'accepteront comme sauveur et libérateur dans leur vie. Étends ta main de guérison sur chacun d'entre eux et qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, comme tu m'as établi comme messagère, par la puissance de ton Saint-Esprit, je me revêts de l'autorité que tu m'as donnée en ton nom et je me lève contre toute maladie qui frappe mes bien-aimés. Que toute maladie disparaisse du corps de mes bien-aimés, qu'elle ne soit plus trouvée en eux, qu'elle soit détruite et anéantie par la puissance de ton Saint-Esprit. Qu'en cet instant, l'Esprit opère un miracle prodigieux partout où ton nom sera invoqué et proclamé comme l'auteur de ces guérisons. Père, aujourd'hui je viens devant le trône de ta grâce pour te prier pour toutes les personnes qui souffrent d'une maladie quelconque au niveau des yeux. Ta parole déclare dans Matthieu 6, au verset 22 et 23, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, c'est tout ton corps qui sera dans les ténèbres. Nous savons que tu accordes une grande importance à la façon dont nous voyons les choses, qu'elles soient charnelles ou spirituelles. Seigneur Jésus, en cet instant, nous sommes ici assemblés en ton nom pour que tu puisses agir avec puissance dans leur corps. Oui, Père, je me tiens devant toi afin de te demander d'intervenir sur ces corps malades, ces enveloppes que tu nous as données et qui contiennent notre être tout entier. Pose ta main toute puissante sur leurs yeux afin qu'ils soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Je me tiens devant toi et j'implore ta grâce sur toutes les personnes qui souffrent d'une manière ou d'une autre d'un mal au niveau de leurs yeux. Seigneur, je te demande d'étendre ta main toute puissante sur mes bien-aimés qui sont atteints par une infection quelconque des yeux, que ce soit une infection banale, bactérienne ou d'un virus, connue ou inconnue, héréditaire ou non, chronique ou spontanée, établie depuis de longues années ou débutante. Seigneur Jésus, opère un miracle dans leur vie, touche leurs yeux et guéris-les. Seigneur, que toute affection oculaire soit rétablie. Seigneur, je te prie pour les paupières de mes bien-aimés, qu'elles soient restaurées. Tu fais disparaître toute orgelée, inflammation de la paupière, dermatose, entropion, trichiasis, lagophthalmie, ptosis et autres affections de la paupière. Tu rétablis toute rétraction ou dilatation des paupières, affection dégénérative des paupières ou de l'air périoculaire, toute blessure, entaille ou cicatrice au niveau des paupières. Tu guéris toute maladie connue ou inconnue, citée ou non citée, qui touche de près ou de loin les paupières de mes bien-aimés. Seigneur, je te prie pour tout appareil lacrymal, défectueux dans la vie de mes bien-aimés, affection de la glande lacrymale, dacryoadénite, dacryocystite, aiguë ou bénigne, chronique ou débutante, étendue ou partielle, pour toute sténose
et insuffisance des voies et des conduits lacrymales et tout autre trouble des voies lacrymales. Que tout appareil lacrymal soit débouché, désinfecté et normalisé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour toutes les affections au niveau de l'orbite oculaire. Seigneur, je te prie pour toutes les affections oculaires comme la conjonctivite, que ce soit une hémorragie conjonctivale ou sous-conjonctivale, vasculaire ou kyste, ainsi que pour toutes les affections spécifiques relatives à la conjonctivite, comme la pseudotérygion, ainsi que toute affection connue ou inconnue, citée ou non citée, qui infecte les yeux de mes bien-aimés. Seigneur, je te prie pour toute affection sclérotique, kératite, iridocyclite, de la cornée ou de l'iris, du corps oculaire de mes bien-aimés. Que toute cicatrice ou opacité cornéenne soit restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour toutes les affections liées au cristallin, comme les cataractes, séniles, coronaires, corticales, ponctiformes, polaires, antérieures ou postérieures, pour toute cataracte infantile, juvénile ou pré-sénile, cataracte traumatique, simple ou compliquée, cataracte diabétique ou opacité glaucomateuse, cataracte découlant d'une maladie endocrinienne, nutritionnelle et métabolique ou découlant d'une malnutrition, déshydratation, ainsi que toutes séquelles liées à la cataracte et autres affections du cristallin, connues ou inconnues, citées ou non citées, qui vient troubler la vue de mes bien-aimés. Seigneur, je te prie pour les affections de la choroïde et de la rétine, que toute chorio-rétinite, décollement et déchirure de la rétine, occlusion vasculaire, rétinienne ou toute autre affection dans cette région soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie aussi pour les glaucomes et affections du corps vitré et globe oculaire. Touche-les de ta main guérissante et rétablis la situation dans les yeux de tes bien-aimés. Seigneur, je te prie pour toutes les affections des nerfs et des voies optiques, des muscles oculaires, des mouvements binoculaires, ainsi que de la réfraction oculaire. Que tout strabisme paralytique soit normalisé et rectifié au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout strabisme paralytique soit normalisé et rectifié au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute anomalie des mouvements binoculaires soit rééquilibrée et réajustée. Que tout vice de réfraction et trouble de l'accommodation soit rectifié. Que tout trouble de la vision soit régularisé. Que la myopie et le strabisme soient rééquilibrés. Que toute cécité ancienne ou débutante soit stoppée au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute infection, trouble ou anomalie visuelle, que tout problème ou maladie qui touche de près ou de loin à la vue ou aux yeux de tes bien-aimés soit stoppé, corrigé et guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, en proclamant ton intervention miraculeuse sur toutes ces maladies, je ne m'appuie pas sur la proclamation de mes propres paroles, mais sur la base de ton sacrifice à la croix et sur cette extraordinaire promesse que tu nous as laissée et qui dit que ce sont nos souffrances que tu as portées et que ce sont de nos douleurs que tu t'es chargé. Nous t'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur toi, et que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Seigneur Jésus, comme tu l'as fait par le passé, nous aussi, nous croyons et nous confessons que tu peux encore guérir toute maladie par la foi que nous posons en toi. Tu nous dis que nous devons prier les uns pour les autres afin que nous soyons guéris et que la prière fervente du juste a une grande efficacité.
C'est sur base de cette parole que je t'ai prié pour mes bien-aimés, qu'ils soient touchés de ta main toute puissante dans leur maladie et qu'ils reçoivent la guérison et témoignent à leur tour de ton immense amour à leur égard. Mes bien-aimés, n'oubliez pas que Dieu est au-dessus de toutes choses et que rien ne lui est impossible. Il est bien plus grand que toutes nos maladies, quelles qu'elles soient, elle ne pourra pas lui résister. Il est celui qui guérit toutes nos maladies, il est celui qui dit un mot et la maladie s'en va. Imprégnez-vous de cette prière et laissez Dieu opérer un miracle dans vos corps. La foi est le remède qui vient à bout de toutes les maladies. Que Dieu vous bénisse abondamment et infiniment au-delà de tout ce que vous pensez ou pouvez même imaginer. Soyez bénis puissamment. Au nom de Jésus-Christ.